Là, c'est le, je dirais que c'est la définition principale, d'accord, entre la pensée finalement, je dirais, causale et la pensée effectuée. En fait, l'effectuation, c'est la causalité, finalement, vous avez un objectif et des moyens disponibles pour cet objectif, vous allez prendre ces moyens pour aller vers l'objectif. Et vous allez faire une concentration des moyens pour arriver à l'objectif. Et vous avez finalement une relation causale entre les moyens faits et l'objectif atteint. Voilà. Le but étant de mettre en place les moyens pour arriver à votre objectif. Ce qui est un peu... Enfin, l'effectuation, c'est différent. L'effectuation, c'est qu'est-ce que j'ai et avec ce que j'ai, où est-ce que je peux aller ? C'est quelle est la prochaine étape qui va faire que je vais pouvoir, en fait, à partir de ce que j'ai, à partir de mes ressources qui sont limitées, arriver à passer à l'étape d'après qui va m'assurer une survie ou un développement. Voyez ? Et là, pour en revenir à l'entreprise et à la start-up, vous voyez, quelquefois, la start-up, quand on dit concentration des moyens, c'est entre l'effectuation et l'approche causale. L'effectuation, parce que voilà, on est limité. L'objectif est grand, donc on va concentrer les moyens. Donc c'est un espèce de mix entre ces deux approches.